Hein, on joue les persos du cœur, hein, c'est ça. Hein. Ouais, mais bon, après tu manges casse défaite en poule. Hein. Donc, alors, là, on aura un match entre Spirit, ici présent, et Alucard. Donc Alucard, hein, qui est très 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 connu, qui joue à Soul Calibur depuis longtemps, à Tekken aussi, si je dis pas de conneries. Hein. Là, c'est le Goten Check, c'est du loser bracket. Donc là, c'est très chaud, celui qui perd rentre à la maison, tout simplement. Voilà, alors faut savoir qu'il y a eu des matchs très intéressants que malheureusement je n'ai pas pu vous filmer, notamment un match entre Dan et El Hadjoul qui était complètement là. Actuellement, il y a Malek qui affronte Kusanagi à l'étage d'en bas. Enfin bon, c'est dur de suivre tous les matchs, hein, donc voilà. Allez, c'est parti. Alucard qui joue Natsu et Spirit qui joue Goldo. Allez, là, directement, le petit téléport de Natsu. Hein. À noter le cast très varié des persos dans ce tournoi. Hein. Donc voilà. Allez, donc là, on est dans un stage où on voit pas grand chose. Hein. Je ne peux pas me rapprocher plus que ça. Voilà, je ne peux pas zoomer. Hein. C'est vraiment l'eau tiers, je le sais, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous décale un petit peu. Voilà. Allez, le coup de pied à la relevée de Roldo. Qui a voulu tenter le multi, c'est bien gardé de la part de Alucard qui gagne le premier round. Ensuite, là voilà, là, le point B à la relevée de Roldo plus le coup de fesse et le launcher, hein, c'est complètement garanti. Hein. Voilà, putain, on voit absolument rien, c'est un truc de ouf. Allez, la balayette de Alucard qui est passée. Et donc voilà, dommage, on ne peut pas zoomer quoi, dommage. Voilà, là ça passe dans la garde et le coup de pied en l'eau pour tuer. Hein. C'est assez bien connu dans les jeux de baston 3D, on finit l'adversaire avec un coup en l'eau. Voilà, là, le brave edge a bien joué, juste gardé de la part de Alucard qui mène 2 rounds à 0, la bombe qui est passée. Voilà. Hop là, il s'est bien baissé là, Spirit, mais il a rien pu faire puisque elle s'est téléportée à Natsu. Donc Natsu qui, à ce qu'il paraît dans le patch, est devenu moins forte, hein, mais bon, elle est jouée, hein, elle est jouée. La preuve, Alucard la joue. Et il gagne 3-0 de manière très nette, hein, quand même. Même si Spirit a fait quelques bonnes phases. 1-7-0 pour Alucard. Donc. Allez, c'est parti. La Spirit qui est très prudente, qui se protège beaucoup. Voilà, là, il se prend un petit coup de couteau, la balayette. Là, il se prend la bombe cancer. Hein, et là, la bombe imparable. Voilà, là, Lucas est en train de lui mixer la tête. Là, et là, il se prend la chauve-souris, ça va tuer. Attention, là, Lucas, il a rentré toutes les phases. Là. Tout est rentré. Donc, attention, il faut que Spirit. Se ressaisisse dès maintenant. Avec le point décalage de Alucard hein, qui était passé. Voilà, la bombe cancel. Et là encore la bombe. Attention, le ring out. Voilà. Et le ring out de la part du Spirit. Donc Alucard, un round de parcours. Je rappelle que c'est de loser bracket. Hein, on est encore loin. C'était final, hein. Mais les tournois bas sont pleins à l'heure où je vous commente ce match-là. Il y a pas mal de matchs qui se jouent actuellement. Hein. Le tournoi avance. Voilà, là le coup de pied de la part de Spirit là, qui fait le tomber à la relevée, mais qui fait un geste de la tête comme s'il avait loupé quelque chose. Voilà, là la bombe là qui est bien gardée, près de Spirit, elle a bien joué le coup en brave edge de la part de Alucard, hein, après le just guard, hein, c'est super bien joué. Là franchement, rien à dire, balle de match pour Alucard. Voilà, là qui passe en 2 de combo, la barre, on part que ça a enlevé en counter, hein, ça fait mal. Hein. Et là le just guard encore de Alucard, oh là là, attention, là c'est très très fort, là vraiment. Là, oh, la bombe, là, il aurait dû se protéger dessus et c'est terminé. Voilà, Alucard qui gagne ce combat-là, donc Spirit qui est éliminé du tournoi.